Bonjour à tous. Nous voici dans un site où vous avez une 5-6 bâtiments abandonnés. On va aller visiter un à un. Mais je ne vous cache pas que... Alors celui-ci, je vous le proposerai, je l'ai visité. Mais attention, comme souvent dans les urbex, dès que les sites sont... immense, dans leur grandeur, il reste extraordinaire. Mais dès qu'on rentre dans les détails, ça devient un peu vide. C'est-à-dire que chaque immeuble n'a aucun intérêt. L'intérêt, c'est la globalité du site. Le rez-de-chaussée au premier étage. Alors, je vais pas escalader pour aller au premier étage parce que on se rend compte que d'abord ça c'est signe qu'il y a eu une organisation qui a été faite en amont pour récupérer ce qui était récupérable. Et deux, c'est vidé quoi. Allez, on va continuer la visite des autres qui à mon avis seront un peu du même tonneau. Et oui, tous les urbex, comme j'ai toujours, ce ne sont pas que des palais avec des peintures 18e. C'est aussi des lieux où il n'y a plus que les murs. Ben oui, ça fait partie de l'urbex. On continue la visite. Allez, à tout de suite.